80 ans que ces coteaux de Sauvignon bénéficient de l'appellation Pouilly-Fumé, la reconnaissance d'un terroir et d'un savoir-faire. Alors cet anniversaire, les vignerons le préparent depuis maintenant 2 ans. On est vraiment très heureux de fêter les 80 ans de nos deux appellations, Pouilly-sur-Loire et Pouilly-Fumé. On voulait le fêter avec les vignerons, mais aussi le partager avec toute la population locale et régionale même. Pouilly-Fumé et Pouilly-sur-Loire, c'est aujourd'hui 1350 hectares sur 7 communes de la Nièvre. Le vignoble s'est développé en 80 ans. L'événement est donc aussi l'occasion de saluer cette tradition viticole bien enracinée. On est né ici. Moi, j'ai travaillé avec mon grand-père. À l'âge de 10 ans, j'étais dans les vignes avec mon grand-père. J'ai dit à mon père, à 10 ans, je veux faire de la vigne. Et donc, quand on a envie de le faire, on y est vraiment attaché à 100%. Nous, c'est un peu notre sens. Les vignes, c'est notre sens, c'est nos veines. Pendant 2 jours, les visiteurs pourront survoler le vignoble en hélicoptère, mais aussi profiter de nombreuses animations. Dégustations, bien sûr, mais aussi artisans et expositions feront vivre le village de Pouilly, avec toujours le vin et ses acteurs au centre des attentions. C'est vraiment l'occasion idéale pour faire découvrir à nos visiteurs le vignoble de Pouilly, les vins de Pouilly et les vignerons de Pouilly. Alors bien sûr, il y aura plein de festivités dans tout le village pendant ces 2 jours, mais en plus ce sera l'occasion de venir découvrir, visiter la tour du Pouilly-Fumé, qui est un centre no touristique. 80 ans, un cap célébré par les vignerons avec déjà un œil sur l'avenir. Mais avant tout, un moment de convivialité pour retrouver le goût de la fête dans un vignoble touché depuis 2 ans par le gel. Ah, ça s'annonce bien, hein. On va faire des vendages assez précoces, hein, je pense. Hein.